Hey, comment ça va sur le campus de la Soul Tier Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée, tout le monde. J'espère que vos journées sont ensoleillées. Ouais, non, oubliez ce que je viens de dire, en fait. Petit polo palmier. Oui, petit polo palmier. Ah oui, c'est, le beau temps revient. Bon, pas aujourd'hui, et pas sur le campus, mais le beau temps a l'air de revenir. Donc voilà, quoi, c'est les palmiers, c'est tout ça. Remember it. Donc du coup, on a terminé Rundown, on a terminé Small Town, il y a Storage Facility qu'on n'a jamais vu, il y a le tanker qu'on a fait en PVP à la fin là. Le tanker, c'est le super tanker, c'est le gros bateau quoi. Ces mecs là, les 4 qui sont là. Ah oui, oui, oui. Ouais, à la base, ils faisaient partie du studio Red Storm, et le studio Red Storm, c'est le studio qui a... Comment ça, les 4 qui sont là? Le jeu là, il est fait par 4 à 5 personnes. D'accord, mais ils sont pas là dans le jeu. Non. D'accord. Voilà. Oh, ok, d'accord, t'es con. Ok. Tu t'es couché à 6h du mat, non là. Donc moi, je regarde dans le jeu, je regarde dans le... On sait jamais, ils sont peut-être dans ils se sont peut-être modélisés, tu vois. Tu t'es couché à 6h du mat, non? Ouais. Et ça va? Bah ouais, parce que j'ai testé Squad, et Squad, c'est super. Ouais, mais il est moche quand même, hein. Oh, 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 oh. Non, mais pour un jeu réaliste, tu vois, par rapport à un Tarkov, par exemple, il est quand même extrêmement moche, quoi. Oui, mais au moins, il tourne bien, quoi. Ce qui importe dans ce genre de jeu, c'est pas vraiment les graphismes. Bah, je tombe pas là-dedans, Jean-Paul. Non, mais là, je suis pas d'accord, tu vois. Je suis pas d'accord. Justement, sur ce genre de jeu-là... Bon, après, c'est parce que tu y joues en multijoueur, mais justement, sur ce genre de jeu-là, étant donné que c'est un jeu un peu réaliste et tout, bah, j'ai... Oui, bah, autant avoir les graphismes de Battlefield, quoi. Je comprends. Pas de... Pourquoi je comprends pas pour commencer à Battlefield. Battlefield sont magnifiques les graphismes. Ouais, j'ai pas joué depuis le 4 pour le coup. Ah non, bah même le 4, hein, tu le prends, il est magnifique. Ouais, mais bon, les graphismes de Battlefield, c'est un peu comme un code, quoi, tu vois. Voy a la playa, bien sûr, yo la marée. Enfin, c'est vraiment ouf. C'est vraiment niveau réalistique, c'est magnifique. Le moteur DICE, il est splendide. La modélisation, les effets, il y a tout qui est parfait, quoi. Ok, ok. Bon, vas-y, je lance Storage Facility. Qu'est-ce que tu fais dans mon armoire, là? Non, non, mais c'est bon, je t'ai emprunté un truc. Je t'ai emprunté du matos. Ouais, bah prends un tournevis, si tu veux. Bon messieurs, nous sommes 4. Nous allons effectuer 2 groupes de 2 pour commencer cette première reconnaissance sur cette Operation Earthly Druid. Alright? Le druide de la Terre, ok? Ne me demandez pas quel est le connard qui a trouvé ce nom, c'est pas moi. D'ailleurs, il y a 2 possibilités de spawn. Le Bridging Level West et le Bridging One East. En fait, ça veut dire à l'Est et à l'Ouest. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les groupes seront répartis en termes de QI. Jumper viendra donc avec moi pour compenser le fait que Mary aille de l'autre côté avec Apex. Bien évidemment, c'est Apex qui a le plus gros cerveau ici, on le sait. On est la team lunette, nous. Vas-y, let's go. Ok, ça engage. Non, négatif. On n'a aucun vive pour moi. Ok, regarde en contre-bas. Là, il y a une belle ligne, Mary, si tu viens là où je suis. Je vais essayer de contourner par la gauche pour prendre un peu le vantage point. Tu peux continuer vers le bas. Information, les deux, vous êtes encore bons? Information sur ces tirs. Remonte si tu veux, poulet. Ouais, t'as une grosse visibilité si tu viens sur la crête où je suis. Ça tire. Ça tire sur nous, ouais. Ouais, contact dans le village en dessous. Et peut-être un contact sur moi. Mary, Mary. Mary. Mary est mort. Ok, mais vous êtes où, vous? Enfin, okay. Peut-être tu es... Parce que on sait pas du tout où vous êtes. On est en train de faire des tirs de bat. Information sur ces tirs. J'élimine toujours des mecs en dessous. Pareil, on a quoi devant derrière. Ok, ouais, camion rouge, il y a beaucoup de monde. Ok, ça nous a touché. Ok, on te rejoint. Mary est décédé. Ok, on est tous pas formés. Ok, je reload. Ça bouge en dessous de moi. J'ai besoin d'aide, je reload. Contact en dessous de moi. Devant moi. Mort. Encore un autre, peut-être, un peu pas sûr. Ouais, au-dessous, je sais pas où. Grenade qui part. J'ai eu, ça court, ça arrive en dessous. Non. J'en ai un en dessous, fais gaffe. J'ai peur et mort. Reload. Ok, je suis prêt. Ouais, il est mort. On a les sales sur la blood. Ouais, j'ai vu l'extract. Hein.
C'est peut-être dans le bunker en dessous qu'il va falloir rentrer en fait. Ouais, clairement. Ok, c'est bien un bunker en dessous, hein. Ok, ouais, ouais. L'intel doit être dedans. Ok, je vais pas. Vas-y, tu peux descendre à la limite. Ok, je push sur la droite. Ok, moi j'ai un petit peu avancé. Attention, je vais ouvrir à droite là, parce qu'il y a le petit bunker. Grenade qui part. Contact mort à l'intérieur. Contact. Mort. Contact en face. Je reload, j'ai besoin de ton aide. J'ouvre à gauche. Ok, y'a rien, fire. En face, contact. Ouverture à gauche. Contact, je dois reload. Y'en a un qui est parti en courant. Au fond à gauche, prends ma ligne. J'entends du bruit, ça arrive. Ok, tu peux venir par-dessus mon épaule à gauche et grenade un coup de... Y'a corner. Qu'est-ce qu'elle dit à droite? Tu peux grenade. Couloir, je pense. Ouais, gros escalier. Il y a un contact à gauche, je l'entends. Son. Faut descendre, attention au pied. Hein. Ok, tu peux. Grenade à gauche, couloir à gauche. Ouverture à droite. Contact visuel. Quand tu décales, j'ai plus de balles. Voilà, c'est très compliqué. Ouverture à droite, ouverture à gauche. Grosse ouverture à gauche sur couloir. Est-ce que je peux passer devant, hein? Contact 11h. Au début ça va, hein. Au début ça va, mais les petits couloirs là, elle est bien sexy, hein. On reconnaît le joueur F6. Allez, dégage. Ah. Bien, propre. Dommage, très très dommage. Ouais. Ok, donc sur les mêmes, dans la même logique, on reste sur du fusil d'assaut. On va pas énormément jouer la range, honnêtement. Je conseille plutôt M249, MK48, HK416, M4, etc. Ou les M14EBR sont très très bien aussi pour s'adapter. Ça va être parfait. Pas de MP5 parce que c'est un peu trop la merde. Parce que même à l'intérieur, en fait, on a des grands couloirs. De la flash, pourquoi pas. Essayons de garder le stuff pour l'intérieur parce que là, ça va vraiment être compliqué de venir déloger les tangos à l'intérieur des tunnels. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, deux groupes de deux, vous êtes armés comment? On est en M249, deux supports de chaque côté. Apex et Jumper, pareil. Ouais, l'HK est parfaite. Et j'irai avec Mary exactement de la même façon, mais je ferai attention parce qu'ils ont quand même une tendance à venir pusher en début. Ok, nous on commence à avancer comme d'habitude vers vous. Je rejoins Apex pour aller sur la crête. Info sur le tir, Mary? Et un mec était au milieu de la cour. Putain. Ok, mort, les deux sur le toit. Good, ok. Je crois que ça me pousse à droite. Ça me pousse à droite. Mort. Info sur tout le monde. Le jumper est mort. What? Putain, ça va être trop chiant. Ok, c'est pas grave, on peut le faire. Je contourne encore. Ok, c'est clear ici, hein. Ok, j'ouvre ma ligne. Comme tout à l'heure. Mary, tu passes juste devant moi, vas-y, décale. Ok, je vais aller travailler tout seul à droite, je vous laisse. Faut te les faire, hein. Non, mais j'ai pas dit tout seul. Je me pose derrière le camion. Contact en bas, mort. Tranquille. Y'en a un, contact. Au niveau de la chicane, mort. Tu l'as eu? Putain, la vache. Okay, Mary, okay. Je vais devoir faire un run derrière le préfabriqué qui est juste en face, ok? Ouais, dehors, y'a du monde. Mary, regarde en face, t'es parfait. J'en ai retué un. T'es parfait, Mary, parfait. Au même endroit. Mary, je te laisse travailler, mais je vais grenade. Tiens la ligne, Mary. Je suis dedans. Oui, bouge pas. Intel en face. J'en relance une. Apex est mort, et là on arrive sur le conduit en fait qui donnait sur la droite. Ok. Ok, très bien. Ok, let's go. On peut le faire en plus rapide, tranquillement. GG, bro.